Bon matin à toutes et tous, on se retrouve eh bien pour le message intemporel de ce mercredi 28 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, pensée de ce matin, promesse. Il est important de tenir ses promesses. Un oui, jamais tenu, fait bien plus de dégâts que 1000 non. C'est bien vrai, n'est-ce pas? Belle pensée. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le nombre angélique, confirmation. Les nombres répétitifs, eh bien, sont les signes les plus évidents que l'univers vous parle directement. Quand vous remarquez un nombre angélique, eh bien, il est difficile de l'ignorer, n'est-ce pas? Alors qu'il s'agisse du numéro 1111, ça peut être sur un immeuble, ou de 3,33, peut-être sur un ticket de caisse, eh bien, chaque répétition de chiffres véhicule son propre message. Mais en général, ces nombres sont révélateurs de synchronicité et d'alignement dans votre vie. Ils apparaissent pour vous confirmer que les signes que vous repérez autour de vous ne sont pas le fruit de votre imagination. Vous le savez, hein, le hasard n'existe pas. Et il faut que vous soyez réceptif à voir les signes, n'est-ce pas? Cette carte, eh bien, elle indique que vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Les nombres angéliques se manifestent sous de nombreuses formes. Ça peut être chiffre d'une horloge, n'est-ce pas? Ça peut être les chiffres d'une plaque d'immatriculation, pardon. Ça peut être dans un numéro de téléphone, voilà. Écoutez votre intuition, car vous pourriez recevoir une guidance importante concernant la route à suivre présentement. Alors n'en doutez pas, n'est-ce pas? L'univers, eh bien, il vous guide et vous soutient dans votre voyage ici terrestre, et les synchronicités sont là pour vous le rappeler. Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. N'en doutez pas. Alors cette carte, eh bien, elle vient vous dire, n'est-ce pas, c'est vraiment une carte angélique. Il est inutile de vous inquiéter, vraiment. Pour certains d'entre vous, ne vous inquiétez pas. Continuez à avancer comme vous le faites. Parce que, sans en avoir l'air, vous êtes un travailleur de lumière, n'est-ce pas? Et puis, on vous invite à vous fier à votre intuition. Vous savez, cette petite voix, elle dit toujours la vérité. Votre ressenti, votre intuition est toujours la bonne. Donc c'est une carte qui est magnifique, qui est très positive. C'est une confirmation dans ce cheminement spirituel, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de faire. C'est aussi une opportunité peut-être, eh bien, d'aller dans cette voie-là. Et puis les nombres, faites attention autour de vous. Vous pourriez voir des numéros 11-11, 3-3, 2-2, etc., etc. Eh bien, ça peut vous dire que, voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans un bon cheminement. Et puis l'univers, eh bien, vous met sur votre route des belles personnes pour que vous puissiez cheminer avec elles. Très très beau message, n'est-ce pas, angélique?
Et pour terminer, le petit oracle des couleurs, vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Peut-être que vous avez passé de belles vacances et que vous avez eu de bons petits moments de bonheur. Gardez-les bien précieusement en mémoire. C'est important. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse. À demain.